Salut à tous, c'est Bérangère de Pâte en l'air et aujourd'hui, habillée pareil, coiffée pareil et tout ça, pas le même chien, mais évidemment, j'ai tourné cette vidéo à la suite de celle d'hier. Donc on se retrouve aujourd'hui mardi pour une vidéo training avec Boubou. Voilà, donc on va faire la suite de ce qu'on a vu à la fin de la semaine dernière, c'est-à-dire mes post-it, ça, comme d'hab, clicker, friandise, post-it pour Bounty, et on en était à mettre le mot sur la demande que je lui faisais de poser son museau sur le post-it, et on avait appelé ça museau, tout simplement. Du coup, on reprend où on en était, on prend notre petit post-it, hop, et voilà. On va voir ce qu'il lui reste, par contre je ne l'ai pas travaillé du coup depuis cette vidéo-là, donc on va voir ce qu'il lui reste. On prend les petites friandises, le petit clicker, et c'est parti. Vous voyez déjà, elle s'en approche. Et là, elle se demande ce que je vais récompenser. Donc, je prends une poignée de friandises. Toujours gardez dans votre main quelques friandises. Museau. Ah, vous voyez. Ouais, ça c'est bien. Le museau, c'est bien. Là, elle me fait un enchaînement. Ouais, c'est bien. Donc, j'ai attendu un peu après la patte, voir si elle laissait le museau. Parce que le but, c'est qu'elle ne mette pas la patte, évidemment. Oui, museau. Super. Museau. Ouais, bon, ça revient bien. Museau. Super. Elle ne le touche pas, franchement, aujourd'hui. Peut-être qu'on va essayer d'améliorer ça. Museau. Vous voyez, elle est au-dessus, mais elle le... Ouais, super. Là, elle l'a bien touché. Museau. Je vais attendre qu'elle touche pour la récompenser. Là, elle a juste... Ouais. Elle avait juste la tête au-dessus. Je ne sais pas si vous, vous voyez la différence, mais d'ici, je la vois. Museau. Je suis désolée, derrière, c'est Lana. Super. Museau. Très bien. Donc maintenant, je vais essayer d'attendre un peu plus longtemps. Je vais améliorer la durée. Museau. Super. Museau. Touche avec le bout du nez, c'est trop mignon. Museau. Ah, vous voyez, là, j'aurais pu... Elle s'est lassée. Museau. C'est-à-dire que j'en demande trop, donc c'est à moi de revenir à l'envers. Oh, bah voilà. Plus de post-it, ça va plus vite. On va en mettre un autre. Museau. Museau. Non, celui-là, il est capote. Hop. Super. Donc, je reviens à l'étape précédente de lui demander un petit peu moins de temps. Je vais trop vite. Museau. Alors, celui-là, la déconcentre, elle ne sait plus sur lequel il faut faire. Donc, je l'enlève. Museau. Museau. Super. Museau. Hop, je vais la laisser quand même manger sa friandise. Museau. Super, mon bébé. Museau. Génial. Museau. Ouais. J'espère que vous voyez l'évolution. Museau. Ah zut, vous voyez, j'allais cliquer au même moment à l'enlever la tête. Museau. Bounty rebug. Ouais, super mon bébé. Super. Après le but quand elle pourra aller au coin, c'est pas de la laisser des heures. Hein. Museau. T'as pas le museau dessus, fille. Museau. Voilà, ma boubou qui aime bien jouer avec ses pattes. Voilà, voilà. Non, mais... Hop, tu me le rends. Allez, un post-it encore en moins. Alors évidemment, suivant votre chien, il va falloir prévoir le stock de post-it. Tu laisses. Tu laisses. T'en as même dans les griffes. Non, mais sérieusement. Assassineuse de post-it. Non, mais... Maison. C'est bien. Ah, pas ça, une autre étape. Je vais voir comment elle réagit. Parce que là, en fait, je vois qu'elle me les assassine. Donc, pour qu'elle me les assassine plus, on va commencer à imiter le mur. C'est-à-dire que là, j'ai mon fameux meuble de cuisine. Et du coup, on va le mettre dessus. Et on va voir si elle y arrive déjà à la verticale. Allez, Museau.
Museau, je le fais où mon museau? Museau, regarde, il est là. Museau? Ouais, ça y est. Je l'ai un peu aidé, j'avoue. J'avoue que je l'ai un peu aidé. Museau? Ouais. Alors pourtant, j'ai occupé Lana derrière, mais apparemment, ça ne lui suffit pas. Donc la prochaine fois, je saurai qu'il faut mieux l'occuper que ça, parce qu'elle a beau. Museau! Ça, c'est un truc qu'il nous reste à travailler avec Lana, hein, évidemment. Museau! Museau. Parce qu'en fait, si je la prends avec moi, elle embête Bounty. Si on la prend ici, elle n'arrive pas à faire un pas bouger et à regarder ce qui est bon pour elle. Museau. C'est pour ça que j'essaye de la faire travailler avant, mais qu'après, il faut que je trouve une meilleure occupation. Museau. Donc, on va pas trop tarder parce que Lana commence à s'impatienter. Museau. Tu fais Museau? Tu fais Museau? Ouais, Museau! C'est bien, Museau! Mounty, Museau? Mounty a tendance à se coucher. Je vais le mettre vers elle. Voilà, super! On va rendre le truc un peu moins dur. Pas qu'elle se lève, ma petite dame, pour l'instant. Museau? Ouais, elle est déconcentrée, elle aussi, par la petite qui aboie. Museau? Mounty, Museau? Oh, aïe, 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 la main! C'est dur à passer dans le pot. Museau? Vous voyez qu'elle me croise les pattes parce qu'elle adore tellement faire ça que... Museau ? Voilà, elle est fatiguée déjà. Tu laisses, c'est bien. C'est bien, bébé. C'est bien. Museau ? Tu me refais une dernière fois ? Super ! C'est bien ! Oui, pour essayer de relancer la motivation. Mais là, il y a la petite qui aboie derrière. Donc, je vais devoir arrêter là pour aujourd'hui pour Bounty. Et ça me fiche un peu en l'air. Donc, dès la prochaine vidéo, je pense, dès cette semaine, vous allez avoir des nouvelles de mes tests pour occuper un deuxième chien pendant qu'on en fait travailler. Hein. Voilà. Donc, on en est là avec Bounty. Séance pas top top aujourd'hui avec la petite qui aboie derrière, mais je vous montre la réalité des choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment vous montrer. Et puis, pour Bounty, on est allé bien trop vite avec ce post-it là. Oui! Attendez. Vous voyez, elle aussi a été déconcentrée, du coup c'est vraiment pas top. Il faut vraiment que je trouve une solution. Museau? Mounty? Museau? Non, et puis elle est pas dans son assiette, parce que si vous m'avez suivi, elle a été malade pendant 2 jours. Elle est plus malade depuis... Museau? Ouais! Elle est plus malade depuis hier, mais peut-être aussi que je suis allée trop vite. Ah là 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 là, comme quoi, éducateur canin avec ses chiens, on perd tous ses moyens. Voilà. Museau. Ouais. C'est pas parce qu'on est éducateur canin que nos chiens sont éduqués. Museau. Super. Vous voyez, là je suis sans cliqueur parce qu'en fait elle m'a refait des trucs, donc du coup j'en profite. Museau. Oh mais vous la voyez pas en fait. Voilà. Museau. Génial! Je vais attendre qu'elle me le propose. Et pour tout vous dire, autre chose qui me stresse... Ouais ! Je vois la batterie qui clignote sur l'appareil photo, donc ça a bientôt coupé. Donc il y a ça aussi qui rajoute un truc au fait d'être stressé par les chiens. Museau ! Ouais ! Bah, vous voyez, c'était bien les aboiements. Donc je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, tout va bien. Voilà. On va arrêter là aussi. On a passé encore une étape. Museau ! Ouais ! On a encore passé une étape aujourd'hui en mettant ça à la verticale. Museau! Ouais! Donc on y est presque en fait. Je pense qu'il va falloir quelques séances de plus, mais museau! Ouais! Voilà, celle d'aujourd'hui était assez courte par rapport à la dernière. Même si en fait elle n'était pas à fond tout à l'heure en fait. Elle s'est reconcentrée, on a pu se reconcentrer toutes les deux. Et ça c'est génial. Bon, par contre là, Muse... Oh ma belette. Museau ? Voilà, je crois que ça y est par contre. Elle m'impressionne toujours cette chienne. Mon bébé. Là, elle essaye de draguer le pot de friandises. Ouais. Hop, elle m'a piqué le cliqueur, l'air de dire, mais vas-y, mais appuie-toi. C'est quelque chose. C'est bien mon bébé. C'est fini ? On arrête là ? C'est super ce que tu m'as fait. Génial. Merci beaucoup mon bébé. Merci beaucoup mon chien. Tiens, c'est fini. Tiens, tu as droit à des petits bonbons. Voilà.
Voilà, donc on va passer à autre chose. Elle comme moi, du coup séance très bien mitigée au début et en fait à la fin j'ai vu que quand ma chaîne se reconcentre, on est reparti et du coup c'est parti pour un nouveau tour et du coup on n'entend plus Lana. Donc je vais me pencher plus en profondeur sur comment travailler avec deux chiens, comment occuper deux chiens et puis je vous en ferai directement une vidéo parce que chez moi ça dépend des séances. La dernière vous avez vu, on n'a pas entendu du tout Lana. Donc ça dépend des moments, ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'occupation. Donc on va travailler ça aussi. Je vous en ferai une vidéo, comme je viens de vous dire, pour vous aider si vous avez plusieurs chiens. Et puis ben moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Salut! Tu dis salut toi? Oh, t'es belle, ma chouchou, elle est trop belle. Regardez-la comme elle est trop belle. Regardez-la comme elle est trop belle, mon foufouille. Oh, mon foufouille, mon foufouille, mon foufouille, mon foufouille. Oh, mon foufouille. Allez, salut!